What's going on guys et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Metal Gear Survive où nous allons récupérer encore plus d'objets décoratifs pour notre base. Alors depuis la mise à jour du 27 mars, ils ont rajouté des lampadaires, apparemment aussi un cactus. On va pouvoir aussi récupérer une tour en bois. Et après ils ont aussi rajouté en fait la barrière en carton. À l'époque, enfin le mois dernier, la barrière en carton était récupérable, je pense, uniquement en mission hebdomadaire ou quotidienne en multijoueur. Donc maintenant, vous pouvez la récupérer avec la défense de la base. Donc pour cela, il faut faire le plan 5 ou 6. Apparemment, le pourcentage de chance est plus ou moins le même. Donc je vous conseille de faire le plan 5, qui est quand même beaucoup plus facile que le plan 6. Et vous allez avoir une chance de récupérer ces nouveaux objets. Alors ce sont des objets purement décoratifs, hein, qui prennent 0.2 en capacité de la base. Et pour ce qui est des tours en bois, elles sont limitées un peu comme les buissons. En fait, vous êtes limité à 4 tours en bois dans votre base. Donc voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. Donc encore une fois, ce sont seulement des objets décoratifs, pas vraiment très très intéressants. Aussi, dernière information par rapport à la défense de la base. Vous pouvez maintenant récupérer l'atelier d'armes avancé, donc la version violette, en défense de la base, plan 5 ou 6. Avant, encore une fois, j'avais déjà fait une vidéo, c'était strictement réservé à la coopération. En tout cas, si vous faites pas de coopération et que vous avez aucun équipement épique, ça vous sert strictement à rien. Ça sera tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé. Postez dans les commentaires si vous avez des soucis par rapport à tel ou tel objet, j'essaierai de faire une vidéo dessus ou de vous répondre directement dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, salut, ciao!